Eh, on a failli mourir. Bon, ok. Ok. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour ce petit vlog. J'espère que ça va vous plaire, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, ça fait plaisir. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on va s'ennuyer, beaucoup de surprises, ça va vous plaire. A few moments later. Ça se passe bien? Ouais, je me suis envoyé chier gentiment, c'est bien. C'est cool. La passe-passe. Les papiers c'est fait, les vidéos sont écrites, les objets sont achetés, il n'y a plus qu'à tourner. Actuellement, je viens de finir de monter la bande-annonce pour la Coupe du Monde 2022 juste ici et c'est du très très lourd. Et là, normalement, demain matin, on reçoit la fibre. Bonjour, je suis Sébastien de Carglass. Bonjour la compagnie. Ouais, par contre on n'est pas vos parents, vous êtes gentils les potes hein, mais on rentre pas. Non 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 non, on est gentils, on rentre pas. Non, hé, on n'est pas chez toi, t'es pas chez toi. Allez petits potes, on s'en va. Dep. Eh, hey, tu t'es cru où? T'es pas chez toi. T'es gentil, mais t'es pas chez toi. Bon, ce matin, je devais avoir la fibre. À 7h30, je reçois un message, le technicien est en route. Gros, je me lève à 8h. Personne. Il s'est ramené à 11h. À 11h, le fond. Gros, j'ai perdu 2 heures de sommeil. Abusé. Tout ça pour, au final, ils partent une demi-heure plus tard pour me dire « Bah, excusez-moi, vous aurez pas la fibre aujourd'hui. » Et c'est merveilleux. Regardez ça, c'est plus un sac, c'est une valise, un truc portefeuille, câble, batterie externe, marre. Eh, on a failli mourir. Non, c'est vrai, hein. Hein? Ah non, j'ai failli faire un arrêt cardiaque, en vrai. Non, on a failli mourir sur la route, c'est ça en fait. Moi, j'ai rien fait, hein. J'ai respecté la limitation pour une fois. 70-80. Et il y a un camion de l'EDF, il arrive plein fouet sur nous. Et c'était dans un tournant, j'ai pas fait gaffe. Enfin, j'ai pas fait gaffe, si j'ai fait gaffe quand même, mais le mec en face il a pas ralenti et j'ai dû faire un dérapage sur le côté droit pour l'esquiver quoi. Alors moi j'ai failli faire un arrêt cardiaque, elle me regarde, elle fait on n'est pas mort mon cœur, on n'est pas mort. Oh, on a failli mourir quoi, même là je m'en remets pas encore. Let's go. Elles sont là les places. Putain on y est enfin. Il nous dit d'aller à gauche, on va à droite. Il nous dit d'aller tout droit, on va derrière. Il n'y a rien qui va. On est enfin arrivé. Bon ok. Ok. Je suis enceinte aussi. Et non. Ok. Bon, je peux me faire foutre, c'est bien aussi. Ah, c'est ça. Je ne regrette pas avoir choisi ni le nord de la France, ni demain. On a tous plein de rôles, je pense que notre rôle préféré, celui d'être nous-mêmes. Soyez vous-mêmes, vous êtes merveilleux, vive l'ordre de la France, merci de nous. Il faut que je vous explique ce qu'il s'est passé. On arrive au théâtre où se produit Kev Adams à Denain. On visite, on mange un morceau et à ce moment-là, et ça commence bien, un mec insulte toutes les personnes qui passent devant lui. Alors nous on est assis, tu vois, on mange et la minute d'après, le même mec, il imite le chien et le chat. Là on se regarde et on se dit « Ah ouais ». Denain, c'est spécial quand même. Alors, entre un mec qui a des neurones en moins et d'autres, des jeunes qui te tentent des styles capillaires qui n'existent pas encore, je peux vous dire qu'on s'est déjà bien marré. Bien doucement l'heure du spectacle et retenez bien ce prénom, Claudette. Retenez bien Claudette. Une heure avant le spectacle, on est devant les portes, on attend tranquillement et là on entend une dame âgée en train de parler longtemps. Très longtemps. Et cette dame-là, c'est Claudette, une fan inconditionnelle de concerts et de spectacles. Elle était en train de nous parler de sa vie, on l'arrêtait plus. Elle nous expliquait que voilà, c'était une grande gagnante de Chérie FM, qu'elle avait gagné énormément de concours, qu'elle était connue sur Paris, qu'elle était connue de Chérie FM, qu'elle avait gagné des dizaines de places pour des concerts, des spectacles, qu'elle avait vu Calogero, Kev Adams, qu'elle avait vécu beaucoup de concerts. Vraiment, on a tous une Claudette dans notre ville qui ne s'arrête jamais. Et le seul moment où ça s'arrête, c'est quand elle a quelque chose dans la bouche. Alors après avoir attendu une heure devant les portes à entendre Claudette nous expliquer sa vie de fan inconditionnelle de tournée, on rentre enfin dans le théâtre, on se pose devant la scène. Donc vous savez, à chaque première partie de spectacle, il y a toujours un humoriste pour mettre l'ambiance. Et là, ça n'a pas manqué puisque Claudette a su se faire remarquer vu qu'elle a su se faire vanner par l'humoriste de première partie et Kev Adams. Alors je peux vous dire que avant, pendant et après le spectacle, on s'est bien marré avec Claudette. Alors je suis obligé de vous partager ce fou rire que j'ai eu avec Kev Adams qui a été incroyable. Donc Kev fait un sketch sur Gérard Depardieu et Obélix et un menhir. Donc les trois réunis, ça m'a bien fait marrer puisque Gérard Depardieu et son sexe ont été comparés à un menhir. Et ça, j'ai eu un très gros fou rire. Vous ne l'avez pas vu dans la vidéo, mais on n'avait pas le droit de tourner, donc le spectacle de Kev Adams sera disponible sur Netflix, et je pense qu'on va me voir me taper un fou rire énorme, et Kev Adams va être devant moi en train de me dire « Ouais le menhir, vous allez pas vous en remettre ». Alors oui, je me suis bien marré pendant cette vidéo. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez, commentez, faites-vous plaisir. C'est gratuit, ça fait plaisir. En tout cas, ça m'a fait plaisir à moi. J'espère que vous allez le ressentir. Sur ce, c'était Malcolm et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.